C'est vraiment très très puissant quoi, putain. Allez, zip, 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 zoop, zoop. Et un beat, ça peut être bien. Donc il y a un déco en face, Raijin, très bien. Donc il n'y aura pas de mid, je vais aller sur la solo. Par contre, par rapport aux autres persos qui changent de position, il ne peut pas le faire au niveau 0 pour le moment. Enfin, au niveau 1. Est-ce qu'ils vont lui rajouter à un moment un effet là-dessus? Je sais pas. Ouais, le jungle est obligé de se retrouver au mid pour défendre au début. En même temps, ça va lui filer de l'XP facile. Il va falloir faire gaffe à ça. Et ici, ça va être un Hades, sans doute. Ouais. Gratuit. Il va commencer sur son bleu. Non, je sais pas. Ouais, d'accord. Georges, complètement con, c'est moi, bonjour. Déjà caca, comment vas-tu? Super, bien joué. Elle m'a pas suivi, je les ferai après. Quoi ma position préférée? Oui, j'adore quand tu me parles comme ça. Est-ce qu'il m'a counter jungle? C'est souvent les mecs quand tu leur fais ça au début, si tu prends ton temps peinard après dans la jungle, t'arrives sur ton buff et t'es là. Oh le bâtard! Oh le gros bâtard! Jean-Louis bâtard! Est-ce qu'il m'a baiseille? Ah oui, le dash on le cancel pas trop. Enemy missing. Enemies have returned to base. Cancel that. Enemies have returned. Middle. Enemies incoming. Middle. Dis-moi que ça le crève! Oh fuck. C'est dommage. Bon, de toute façon, ça va être un early. Un early sur, bitch! Allez. J'arrive au mid. Ah, il y a l'ulti aussi qui va faire proc le blue. Ok, ça le fait bien quand même. C'est un perso qui va bien se jouer en Bluestone. Ténard. What? Allô? Merci. Waza, je suis tellement désolé. Il y a eu un côté grid dégueulasse et l'auto-attaque ratée qui fait que t'es mort. C'est ma faute. Genre, je suis vraiment désolé. Non, je rigole, je m'en bats les couilles. Des fois, il vaudrait mieux que je me casse. Ouais, complètement. Ok. Ok.
Ok. Alors on va back, hein, c'est comme ça. Si tout a été fait. Hop. Ah oui, j'avais pas du tout de bots. Enfin, je pensais que j'étais en rang 1 au moins. Ça aurait pu m'apporter un petit peu de grisaille dans mon slip là. Je me retrouvais quand même. Liche de vie. Putain, c'est quoi ça? C'est le shred. Non, ça c'est les dégâts en plus. Ok, c'est ce que je voulais. Vu que le shred arrive après. Faut faire attention à ça. Je veux plus au mid là. Un peu. Ça se fait, mais ça pue. J'ai l'impression que le bluestone il proc sur ça. Hein. Il y avait des dégâts jaunes en plus. Oh putain! Oh putain, c'est complètement pété! Attends, je vais faire une auto. Non. J'ai complètement fumé. Pourquoi j'ai eu des dégâts jaunes alors? Là, je. La dubitance. C'est le Boomba. Ah putain, je suis un débile. Merci, Snacking. Tu sais, le moment où t'es un gros con, quoi. Ouais, en plus, t'es du 15. Putain de merde, quoi. Faut vraiment être con, des fois. Hein. Bah, en fait, Ryu, c'est que t'as. Quand t'es dans l'autre, en rouge, comme ça, tu fais baisser la protection. Donc, le shred. Et forcément, ils l'ont mis après les dégâts pour que ça t'oblige à faire un tour complet de pendante, on va dire, de saison, et pas juste un truc trop simple à poser comme un gros sac à merde. Quoi. Elle pue, notre Medusa, non? Elle est en train de mettre des œufs dans le panier de la Medusa en face, là. Faut éviter de se faire niquer nos buffs. Faut qu'elle aille prendre son buff, Bethlehem. Fais pas gaffe. Lui, il a wardé, parce qu'à chaque fois, il recule comme un gros bâtard. C'est pas grave, il va quand même se faire poc. Gratuit. Ah, le bâtard. Le grid! Mais t'es sérieux? Normalement, non, j'ai pas de drop là. Ah, peut-être un petit peu, mais normalement, non. Hop, on va se barrer avant qu'il TP. C'est quand même très fort cette merde là, hein. Putain. Ah, le Regin est arrivé. Oh. Donc il faut le broc. Il faut lui casser les fesses. Là, je me suis fait spot par les creeps, c'est génial, bien joué sac à merde. Bien joué. Vas-y, on laisse pas cette merde. Merci Gibby, je presse pour le follow. Eh, hey, bonjour à toi. Qu'est-ce qu'il... Ah, elle me fait chier cette Medusa là. Il est où? Et c'est Waza qui va... Non. Je suis tellement désolé. Non, je rigole, je m'en bats les couilles. C'était le KS de ma vie, mon pote. Comme là, c'était le grid de sa vie. Bien joué! Je sors, je prends des dégâts.
Snacking, il a appuyé sur le 3, il a cancel le reste. Oh, bien joué! Bon, après, on a eu l'avantage du déco au début, mais là, c'est pas sympa. Est-ce qu'on se rajouterait pas ça comme un gros sac à merde? Allez, Balek. On a déjà la possibilité de slow, mais si on peut rajouter un petit peu sur les autres positions. Je trouve que, hormis le fait que ce soit complètement OP, ce kit est quand même assez intéressant. Enfin, vite fait rigolo, quoi. Comme ça, prochain truc, on prend le Fatalis. On a un peu de dégâts, on peut rester à... C'était peinard, quoi. Un petit gank sur le Hades, ce serait top. C'est pas fini, mon pote, j'arrive. C'est tellement stupide, putain. Allez, la tour tombe. Yes, bien joué. Putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, franchement, ce perso là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais ça, c'est ce test. Est-ce qu'il TP sur moi? Non, il TP pas sur moi. Le but c'était un peu de le reculer de la fight, mais ça a pas marché. Si on pouvait aller pécho cette espèce de connard là qui est venu en mode salut, je peux y arriver. Non, tu peux pas y arriver et j'en ai rien à foutre que t'aies pas de vie, ok? Voilà. Si tu voulais grinder de l'XP dans notre fion, salopard, je te buse moi! Mais là il va m'ouispé. Attends, je suis pas là. Faut faire dans le social là, copain. Oh, you move like a jaguar. N'importe quoi. Tellement. Allez, hop, ça passe. Le Hades, il m'oublie. N'importe quoi. Complètement putain de stupide, bordel. Genre, vraiment. Ah, par contre, là, sur les quelques games... faites avec lui, j'aimerais qu'il s'équilibre le perso, qu'on puisse voir quel va être le résultat. Parce qu'il est plutôt... j'aime bien en fait le principe, tu peux, tu sais, tu réfléchis un peu, t'es complètement vis à côté. Ouais, t'as fait... Toi aussi, t'as l'impression qu'il est un peu mort pour rien, mec. Mais il y a un truc, je trouve, dans le gameplay assez intéressant. Maintenant, à voir une fois complètement mis en place, quoi, parce que... Ça va être chaud. Je vais attendre les 50 gold comme un sac à merde, de toute façon. Ah bah, merci. C'est Birdo, comment vas-tu? Salut. Non, non, et non. Voilà. Allez, bisous. Thanks. Allez, on lui bourre le cul. On lui bourre le fion. Ok, ok. Lui, il a déjà TP, donc il pue la merde, voilà. Ça va être chacun son tour, snacking, hein, de faire des gros dégâts de con. En même temps, t'as pris Kabrakan, tu vas être bien placé aussi, je pense. Bah ouais, ça va. Ouais, le 2, j'ai l'impression qu'il hit un peu plus large que ce qu'on voit. Hein. Attends, y'a un KS à faire, là. J'ai eu peur qu'elle se retourne. En fait, comme si elle-même allait essayer d'esquiver son ulti, tu sais. Oh, ça va être la mort pour moi. Malgré la réjuve, j'aurais dû passer en vert pour ma régène, mais je crois que j'aurais pas fait assez de dégâts. Et donc, les builds que j'ai vus conseillent un forge sang. Pour ajouter sans doute encore plus au liche de vie, qui le rendrait encore plus stupide. Le problème, c'est que là, je suis pas lourd en attaque speed. Un save de Queen, il est parti sur de la death, lui.
queen size, moi j'ai bien envie. I do not feel pain. Et c'est, ça fait partie de ces persos où t'attends qu'une chose, c'est un équilibrage. Tu vois, Nikkei, elle est sortie, je l'ai trouvée juste beaucoup, beaucoup trop forte et très fun à jouer. Et elle a pris des nerfs, par exemple le fait que son 1 ait un cooldown de 14 ou 16 tout le temps, je trouve que c'est trop. Parce que sur la solo lane, il y a trop de solos qui peuvent la stopper pendant qu'elle le fait, résultat après elle a plus du tout des push quoi. Et ça c'est un peu dommage, il y a des persos tu dis pourquoi vous avez... C'est pas le nerf qu'il aurait fallu faire à mon sens. Et c'est un peu dommage parce que d'un coup le perso perd énormément de puissance, en tout cas tu lui enlèves quasiment la capacité de laner peinard contre eux. Faut être sûr de qu'est-ce qu'on a en face en fait. Ce qui est forcément plus compliqué sur de la casu, hein, faut pas du tout savoir. Et en ranked, bon bah les mecs prennent Hercule en ce moment et Hercule il a deux compétences pour la stopper donc c'est un peu la merde. Là c'est pas ok. Ils doivent être sur la gold. Raijin nous a pas encore attrapé, il y a sans doute moyen de le stopper encore un peu. Allez, bon poil de shot dans la gueule. Ok. Set up an ambush here. Il va ulti. Il avance là, il avance en mode ulti. Il va jump, ulti aussi sans doute. Attention au jump d'unbats au milieu là. Bah, de toute façon il a déjà ulti, on s'en bat les couilles. Passer en bleu pour régène. Ouais carrément, faudrait que je le chope ce putain de Fafnir. Est-ce qu'il est passé par là? Non. Allez on pète la tour. Ah, Doué qui s'allonge sur le clavier. Ça camerde. Ça. Hop. Je décale un peu, voilà. Et ça excite! C'est long comme pause? De quoi donc? Les attaques de Kotoreb quoi! Salut, j'arrive pas à viser, bonjour, c'est moi! Oh, il a régène, tu fais chier! Je passe en vert, ah, c'est bon. Les. Par contre, j'ai l'impression. En fait, ce perso, t'as envie de tout mettre dessus, quoi. T'as envie de tout mettre dessus et t'arrives au moment où. Oh putain, j'ai pas de peiné! Alors, Excal Exécuteur serait pas mieux qu'un Size Queen. Là, stream, je vois pas de quoi tu parles. Bon, en tout cas, ils tiennent bon, les mecs. Ils veulent quand même la jouer. Ils font pas le suren à 10, là. Enfin, en même temps, tu me diras, 17 minutes, ça qui a merde. Ça fait 8 minutes qu'ils ont pas suren. Donc, qu'est connard. Dans le sens, ils auraient pu suren assez tôt avec le Raijin. Et même si à la fin, ils nous diront, de toute façon, on avait quand même un mec en moins au début, easy win, t'es là. Bah ouais, mais bon, personne vous force à la faire en entière, la game. Mais c'est cool d'avoir quand même tenu bon pour apprendre un peu des trucs, sans doute. Ou sans doute le Unbats qui leur a dit, vous inquiétez pas, je vais les défoncer, je suis un pro. Unbats qui fait 0-4. Le Unbats rend 10 où tu dis, oh, y a Unbats trans. Là, vous allez me dire... oui, mais voilà, ça marche, ça fait de gros dégâts. Ouais, putain, sérieusement. Une batte se transcende, quoi. Enfin, ouais. Moi, je dis non. Ça c'est bien, ça slow un petit peu, mais après avec le Poison Star, ça permettrait de mettre, ça me permet de mettre un double slow. Ce qui marche pas trop mal quoi. Je pense qu'un des counters de cette saloperie de perso de merde, ça va être une Midgardienne. Midgardienne parce que dans quasi tous les builds, il va jouer une Fatalis quoi. Attends, on va build cette merde.
Parce que le Fatalis, ça, t'as l'impression que c'est écrit sur sa gueule à cause de son... c'est pas encore fini en fait, c'est demain. On dirait qu'il remonte, hein, par contre, en face, les mecs. Il va falloir faire gaffe. Je vais faire mon Size the Queen, ça va me permettre de faire un peu plus de dégâts sur le sac à merde, là, le... Putain, le Fafnir. Et j'hésitais avec un autre item, c'était quoi, déjà, bordel de cul putain... Ah oui, Forge de sang. C'est ça, l'âme, tu perds tout le monde dans un seul. Ok. C'est le moment où tu veux faire la surprise, puis je... Oh, en fait, ça bat le coup. Oh bah, ok. Salut. Une ward. Be right back. Group up. Attack. Fire, giant. Snacking qui mouline dans le vide. Ça me rassure, je suis pas le seul à chier dans mon froc avec Cabracan, quoi. Il y a vraiment la hitbox est relou du 1, quoi. Le jump ou pas le unbat? Non. Ah putain, je t'entends toi. Va te calmer direct, hein. C'est dommage que je l'ai raté, cette petite salope, hein. Putain, j'ai plus rien maintenant. Oh là 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 là! Bad name qui arrive. Et qui a dit non anymore, bitch! Qui c'est qui a fait le fire entre temps? Wouah! C'est Waza ça, non? Ça ressemble à un move à la Waza ou à Snacking, hein. Y'a que eux pour faire des gros trucs de gros enfoirés derrière. Où l'équipe, tu sais, tu dis, oh putain, mais. Et puis après, tu ouvres les yeux, oh le mec, il a tellement géré son cul! Oh là là, quand tu prends un full celui-là, t'es là, putain de sac à merde. Ah, bâtard! Non! Putain, en plus j'ai beads! Et t'as envoyé un message? Bah ouais, parce que Cannabis est venu aux nouvelles pendant que j'étais en vacances. Comme Ryu, alors je leur ai spoil le truc, quoi. Ça en avait tous rien à foutre. J'aime bisous ou quoi? Zblick. C'est quoi ce bruit? Je l'ai mis entre deux bagnoles. Chérie, tu l'as garé où? Oups. Can't get enough of that low beat.
Oh là là, tout pile! La baise! La grosse baise! C'est plus la grosse traque, c'est la grosse baise cette ulti. Tu te retournes, tu lui envoies dans la gueule. Salut, bonjour, bisous, kékette, adieu! Et... Allez, on sprint tout le monde au cas où. Digad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 ig